Alors j'ai testé pendant plusieurs heures ce petit ventilateur de micro-ondes pour me rafraîchir, moi. Ça peut être sympa sur le principe, par exemple, comme petit ventilateur d'appoint, puisque c'est gratuit, c'est complètement gratuit. La plupart des micro-ondes qui sont mis à la poubelle par centaines, par milliers, rien que sur la métropole française, dans les locaux à poubelle des résidences, la plupart du temps, ils sont en panne, mais le ventilateur, lui, est fonctionnel. C'est des choses extrêmement simples, extrêmement robustes, et pas ça qui tombe en panne sur un micro-ondes, c'est plutôt soit le plateau tournant en verre qui est cassé, soit la vitre qui est cassée, soit tout simplement mon micro-ondes est trop sale et les gens préfèrent en racheter un pas cher à 40 euros en hypermarché plutôt que de se donner la peine de le nettoyer. Ou alors c'est le condensateur a changé, ou alors c'est le fusible qui a changé, ou l'alimentation. Et donc ce qui est pas mal en plus, c'est qu'il est fourni avec son support en fait, hein, il tient tout seul. Malgré tout, je vous déconseille catégoriquement d'utiliser ce ventilateur 230 volts qui fonctionne en 230 volts alternatif. Donc, vous pouvez le brancher directement sur n'importe quelle prise secteur française, c'est ça qui est intéressant. Mais en fait, on ne peut pas l'utiliser comme ventilateur d'appoint parce que c'est un ventilateur qui est fait pour tourner, pour ne fonctionner que quelques. La plupart du temps, un micro-ondes, on l'utilise quoi? À 90%, je sors des chiffres comme ça, mais je pense qu'à 90% du temps, on utilise le micro-ondes moins de 5 minutes. J'irais même dire moins de 3 minutes. Et donc, il a été conçu pour ne tourner que quelques minutes, un quart d'heure maximum. Il n'a absolument pas été conçu pour tourner pendant des heures, par exemple, pendant une chaude nuit d'été. Il n'est pas adapté à cet usage et vous pourriez même vous tuer parce qu'en fait, il n'est pas équipé d'un système de roulement. En fait, si vous voulez, c'est simplement une tige métallique là, autour de laquelle ce cylindre est rentré en force, qui vient buter là sur ce morceau de métal, c'est pas un roulement. Et du coup, vous verrez, si vous le faites tourner une demi-heure, c'est brûlant ici. C'est absolument brûlant, bien plus brûlant qu'un ventilateur 5 fois plus gros avec des pales 10 fois plus, avec une étendue 10 fois supérieure qui aurait tourné toute la nuit. Vous créez des échauffements bien supérieurs. Et c'est ça le problème, en fait. Ce genre de ventilateur, il y a un risque de créer un incendie, donc de vous tuer pendant la nuit, ou même avant même de créer un incendie, il y a avec l'échauffement possibilité par contact indirect ou direct avec d'autres choses dans votre pièce, il y a possibilité de créer du monoxyde de carbone, d'émettre du monoxyde de carbone. Le monoxyde de carbone est un gaz insipide, indolore, incolore. Et il a la particularité que quand il est présent à 1% dans votre chambre, il y a déjà 50% de votre hémoglobine qui ne fonctionne plus, qui ne peut plus attraper l'oxygène, parce que le monoxyde de carbone s'y attache trop bien. Et à 2% de monoxyde de carbone dans votre chambre, vous mourrez d'asphyxie. La totalité de vos globules rouges est incapable de capter la moindre molécule de dioxygène dans l'air de votre chambre. Donc voilà, sur le principe, ça peut sembler une bonne idée, mais en pratique, pour les raisons que je viens de donner, non. C'est vraiment une très mauvaise idée. On pourrait se tuer très très facilement. Mais je trouve le sujet très intéressant. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui sont des bricoleurs, qui se posent des questions sur l'électronique. Et au travers de cet exemple, eh bien, il y a possibilité d'apprendre des choses, de découvrir des choses très simplement et gratuitement. Si vous aussi vous avez apprécié cette manière d'aborder l'électronique au travers d'un questionnement assez profane, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime? Si vous aimez l'électronique, eh bien, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube, puisque c'est un des axes principaux. Ça nous permet notamment de faire des vidéos de réparation dans lesquelles on répare par soi-même des chargeurs d'ordinateurs portables, des chargeurs de smartphones, des lave-linges, de l'automobile, etc., etc. Vont d'ailleurs s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Et le rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous amènera vers tous mes épisodes uniquement de la thématique électroménager et électronique. Des épisodes qui contiennent des informations pratiques généralement concises.